rien ne va plus en Angleterre. Le roi Henri VIII veut répudier sa femme. D'abord, Catherine d'Aragon ne lui a toujours pas donné de fils. Et en plus, il est amoureux d'une autre. Henri VIII demande au pape d'annuler le mariage. Mais le pape est embarrassé. Catherine est la tante de Charles Quint. Et qui voudrait déplaire à un empereur aussi puissant? Henri VIII est excédé. Il décide de se passer du pape et fait voter l'annulation de son mariage par le clergé anglais. Puis il épouse Anne Boleyn. Le pape riposte aussitôt en condamnant le royaume d'Angleterre. C'est alors l'escalade. En 1534, Henri VIII demande au Parlement anglais de voter l'acte de suprématie, proclamant le roi seul chef suprême de l'Église d'Angleterre. C'est l'Angleterre tout entière qui rompt avec le pape. Mais cette fois, c'est pour des raisons politiques et non théologiques.